Salut l'équipe, c'est parti, nous revoilà au bord de l'eau. Bon après, ces quelques jours de beau temps, de chaleur, où j'ai pu me faire plaisir, et ben retour en hiver les gars. Mais cash, en une journée on a perdu 10 degrés, et ça dure depuis une semaine. On est passé dans les négatifs, le matin il gèle. J'ai gratté plusieurs fois le pare-brise, où on est à chaque fois à la limite entre gelé et la gelée. Mais à 90% du temps, j'ai gratté, ouais. C'est une catastrophe. Pour la pêche comme pour la nature. Moi, je pense que, vu que la vidéo sort en retard, vous avez dû le voir. Ma pêche a dû être très difficile. On peut faire quoi que ce soit, sortir n'importe quel appât, tout tenter. Les poissons se sont vite ralentis. Ils avaient commencé à se gaver. Commencer à bien s'alimenter, à préparer les frais même. C'était en avance, c'était fou. Et là, bah, ils ont le ventre blindé. Leur métabolisme a ralenti. Ils se nourrissent plus. Ils se nourrissent plus, c'est simple. On peut faire ce qu'on veut. S'ils ont mangé pendant les beaux temps, qu'ils avaient la nourriture. Et dans les plans d'eau où je pêche, bah, en général c'est ça. Et bah c'est mort. Il n'y a que dans les ficheries ou tout et tout, où là il manque beaucoup de nourriture et. Ils sont jamais gavés, mais là ils sont gavés et ils ne se nourrissent plus. Ils digèrent tout doucement. Ils sont ballonnés. C'est la merde. Pour vous dire, j'ai même été au Silure. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait 2 minuit, on va dire. J'ai arrêté avant de faire les nuits complètes parce que j'ai bien vu, il n'y avait aucune activité. Même les brèmes n'étaient pas actives, c'était une catastrophe. J'ai fait 3 capots d'affilée. Là j'ai tout rangé, j'ai dit stop, on attend. Normalement ça remonte fin de semaine prochaine. On verra bien. Là je me suis dit je vais aller sur les spots que je connais, voir si j'y trouve quelques carpes. Là-dedans souvent on en voit. Je vais pêcher à proximité là. Je regarderai un peu en détail après. Je vais me faire mon petit spot ici. Là. Les feuilles, elles ont bien poussé, ça fait plaisir. Mais en tête, j'ai envie de commencer sur un spot là, le gros arbre dans l'eau. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je me vois bien les poissons rentrer là, tranquillement dans cette touffe. Et les sniper là, à l'entrée. Donc, j'ai déjà mis la ligne, j'ai mouillé la patte sur la route. Et il n'y a plus qu'à. En attendant, on va aller se faire une petite balade, on va aller sur l'arbre. L'arbre perché qu'on avait vu la dernière fois. Hop. Oh, j'ai la piquette au doigt. Essayons de voir si on voit quelque chose. Ça c'est pareil, il va falloir que je le pêche. Cet été là. Il va falloir y venir ici. On voit absolument rien. C'est trouble. Enfin c'est pas trouble, mais il y a de la merde sur la surface en fait. Ouais, on verra rien. Par contre, il y a un truc intéressant là. La mousse là. Un ras du bord. Ah bah oui, poisson là-bas. Grosse. Ah bah, je suis juste à côté du spot, regardez, on voit le remous. Ouais, c'était ça la fouille là. Grosse commune là. Et le spot que je veux faire, il est là-bas. Je me tape la tête en faisant. Non, le nez, je l'avais senti les gars. Allez, go. Elle était vraiment belle. Vraiment belle, elle m'attend elle. Donc voilà, je l'ai vue juste là et je voulais pêcher là. Bah écoutez, perfect. On met tout en place et je vous reprends dès que ça pêche, c'est parti. Voilà, l'équipe vient tout juste de poser. J'ai mis le téléphone là-bas sur le côté. J'ai eu la chance, j'ai sondé. J'ai posé sans sonder, sans aucun repère. Je vais balancer un petit peu de pelé boosté, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, stop, terminé. On ne bouge plus. Je vais essayer de caler la canne à droite parce que ça va partir à droite. Donc il faudra être prêt à contrer dans l'autre sens.
fait chier. J'ai la caméra. J'ai la canne qui est devant la caméra. Comme par hasard. La canne en main comme ça, ça va être très long. Où je déboîte. Je trouve le bon compromis. Non, c'est trop court. Fait chier. Bon, je vous dis que filmer, ça n'a pas toujours des avantages. Au contraire, même. Là, le problème, c'est quand je vais... On voit quand même le bouchon dans la caméra, je crois. Voilà, je passe comme ça. Faut pas que je lève du tout la canne. Hop. Allez, go. Il va falloir être très discret, très patient. Quand j'ai vu le poisson, là, je vous dis que je vais l'être. Et j'ai les pieds dans l'eau, je peux vous dire que ça, ça va être dur. J'ai les bottes, les waders, mais bon. L'eau est vraiment froide. Je le sens déjà, alors que je viens juste de mettre les pieds dans l'eau. Bon, allez, discrétion et on croise les doigts. Que je suis sur le spot, bah y a rien. J'ai vu un poisson remontant en surface à peu près à la hauteur des grèves là-bas. Sinon rien. RAS. C'est frustrant quand même. Je me dis, il y avait des bulles là. C'était un poisson qui s'alimentait sur la bordure. Après c'était peut-être pas elle parce qu'elle est remontée là-bas, ça fouillait là. Je sais pas. C'était un poisson, enfin une carpe qui s'alimentait ou autre poisson. C'est ça que je me dis en fait. Mais en tous les cas, ça n'a rien changé mon petit spot là, je pensais que ça allait attirer du poisson. Il n'y a personne qui est passé. Donc je vais aller sur le spot juste à côté. Je vais zioter quand même à droite à gauche là, dans le secteur si je vois quelque chose. Et je vais aller sur le spot à côté là, dans le petit buisson. Attends toujours un petit peu. Je vais faire un petit aguichage et on taille. Mais les aguichages ici, ça n'a jamais marché. En plus, j'ai le sion dans l'eau, donc je vais faire un bordel pas possible. Le sion est plein d'eau. Canne est lourde. C'est mort. Allez, on bouge. Voilà, on commence par une simple boule de pâte. Et on va essayer d'aller déposer là-bas. Ce spot a énormément poussé depuis l'année dernière. Ça croustille, ça croustille. Et voilà le coup de la batterie. Juste avant de poser, heureusement. Allez, on va essayer de déposer là-bas discrètement. On va déjà le bruit. C'est validé. Ouais, l'eau est vachement claire. Hop. Ouh là là, je suis passé où moi? Je suis là. Je vais me prendre dans tout ce qui traîne. Hop. Voilà, on s'énerve pas. On arrive à tout.
que là je suis trop loin. J'ai pas mis assez de fond. Je suis en bouchon sous-marin. Ouais, j'ai pas le choix. On va laisser la patte là. Tac. Ça fait un petit amorçage léger. Et on va remettre un peu plus de fond du coup. Je pense qu'avec ça, je devrais être pas mal. Ça y est, elle travaille fort la patte, je la vois d'ici. J'allais le dire comme ça, il y a déjà un petit préamorçage de mise en place. Hop. On dépose la deuxième boule. Celle-là va servir d'appât, j'espère. Faites-le se rapprocher bien comme il faut. Pas assez de fond. Un problème. Bon, il y aura deux boules de pâte, ça va la mettre un peu plus loin. Avec un petit ferrage discret. Cette fois-ci, on a le bon fond, c'est sûr. Amorçage à la patte. Ouais, je vais rien mettre d'autre du coup. Je vais laisser uniquement la patte sur le fond. Vous voyez, j'ai voulu être discret, poser en une fois 100 mètres de coup de sonde. Bah, finalement, c'est loupé. J'aurais été plus discret en mettant un coup de sonde une fois. Hop. J'ai essayé. Des fois ça passe pas sur le spot d'à côté. Première fois que j'ai posé, j'avais le bon fond. Coup de chance. Jamais deux fois. J'ai pas le fond, mais c'est normal, j'ai une pente et là je suis bon. Voilà, voilà, ça devrait être bon comme ça. Donc là, on va essayer de trouver un angle de vue pour filmer le bouchon avec le téléphone. Ça, c'est encore autre chose. J'ai cru voir le bouchon bouger, j'ai flippé, mais je crois qu'il a bougé vraiment. La patte qui s'est calée. Oh, où est-ce que je vais trouver un angle? Là, ici j'ai un trou. J'essaie d'y accéder. Chose ici, absolument pas. C'est chier. Mais non. C'est piqué. On n'aura pas eu le temps, les gars. J'ai pas eu le temps de mettre le téléphone.
fait chier. On verra pas la touche. Et 2-3 boules de pâte, hein, ça suffit. Ça succombe un petit poisson, mais un poisson quand même. Ah, le délire. On abrège. Là, elle est pas loin. Non, non, non. Elle est pas fatiguée du tout. Hop, hop, là. Allez. On voit absolument rien en combat, je suis sûr, j'ai la GoPro dans les arbres. J'ai le kit plus depuis 7 ans là. Oh, c'est n'importe quoi ce qu'on voit encore. Ça va derrière, voilà. Allez. Ah, c'est bon ça. C'est au sec. Pas encore. J'ai plus être qu'emmêlé. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, elle a une nageoire marquée, elle. Découpée. J'espère que c'est naturel. Bordel. Voilà l'équipe. Pas si petite que ça en fait la bête. Bon, ça c'était bel miroir. Bien sombre, hein, franchement. Les os sont éclaircis, du coup ça s'est assombri. Les poissons s'assombrissent automatiquement. Ah quel kiff! Ah je vous jure, ça fait plaisir. Vite fait gaffe, on n'aura pas eu le temps de voir la touche. Moi je l'ai vu mais j'ai pas eu le temps de mettre le téléphone en film. Bref, fiche au sec, on va la remettre rapidement à l'eau parce que c'est un poisson qui a vachement subi. La bouche elle est déformée, c'est malheureux. C'est très très vieux, mais c'est malheureux de voir ça. Ouf, et la bascule. Bon ben voilà l'équipe. Un poisson vite fait bien fait. J'aurais essayé, j'avoue l'heure à la tournée là, je vous l'avoue, j'ai continué à pêcher, j'ai vraiment voulu essayer de vous refaire un fish, mais bah, je me suis loupé déjà, j'étais sur le spot là-bas, sur les branches en équilibre, comme vous le kiffez, j'ai dit allez, je vais essayer de refaire un là-bas, j'ai eu une touche, je l'ai loupé, le bouchon a coulé tout doucement, je sais pas trop ce que c'était, je l'ai ferré dans le doute, j'ai ferré dans le vide, j'ai reposé direct derrière, et là... J'ai voulu replacer mon bouchon, je me suis accroché sur une branche. Du coup, obligé de tirer comme un ouf, de faire du bruit, de casser le fil, l'homme sans y rester dessus. Donc, fin du game, le spot mort. J'ai essayé de tourner sur d'autres spots, mais j'ai pas retrouvé de poisson actif. Malheureusement, les eaux sont encore froides. Le seul truc que j'ai vu, c'est deux big fish, mais des big fish de chez Big Fish. Il va vraiment falloir que je revienne bientôt et que je me mette sur leur côte. On va essayer de cibler ça, on va essayer de faire des pêches. Bah, ce sera répétitif, ce sera toujours au même endroit parce que je sais où elles squattent. Mais je les aurai, je lâcherai pas l'affaire. Allez,
On se rentre, il va être l'heure de manger. Je vous dis à plus tard et encore merci pour tout. Ciao l'équipe.